Bonjour et bienvenue en Jordanie, à Petra. Aussi appelée Cité perdue, elle est souvent considérée comme la 8e merveille du monde. Les vestiges que je m'apprête à vous montrer ont près de 2000 ans. Alors je vous invite à me suivre. Après cette petite balade à cheval, suivez-moi. Nous sommes devant le trésor. C'est le monument le plus célèbre ici. Il a été construit par les Nabatéens au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais cet édifice n'est qu'un exemple du génie architectural de cette civilisation mystérieuse. Pour l'heure, partons visiter la capitale de la Jordanie, Amman. La ville aux 21 collines a connu ces dernières années une croissance démographique considérable. Si la situation au Moyen-Orient semble être tourmentée, Amman est une parenthèse. On s'y sent bien et les habitants sont extrêmement chaleureux. On la surnomme la ville blanche. Si elle est très cosmopolite et dynamique, elle n'en reste pas moins une cité née à l'âge de pierre. Pour les amateurs d'histoire, la citadelle d'Amman regroupe plusieurs sites intéressants, dont le temple d'Hercule, vestige de l'Empire grec, ou le palais Omeyyade, datant du 7e siècle après Jésus-Christ. Fréquentée par les Ammanites, elle offre aussi un point de vue général de la ville. Plus vieille ville du monde encore active, sa population a plus que doublé depuis 1948, date du début de l'émigration palestinienne. Les habitants d'Amman sont cosmopolites et hospitaliers. N'hésitez pas à explorer cette ville qui regorge de vie et d'épices. Et qui sait, vous tomberez peut-être sous le charme de cette ville. Bonjour Yazan. Bonjour. Donc vous avez choisi de nous montrer ce lieu en particulier, alors pourquoi ? C'est la place de sacrifice, c'est le site le plus conservé à Petra. Et c'est là où les Nabatéens font le sacrifice pour leur dieu avec les prêtres et avec le roi. Et ils faisaient des sacrifices avec les animaux. Et il faisait aussi des sacrifices avec la nourriture et avec l'encens qui les amène de Yémen au sud de l'Arabie Saoudite. Et c'est un des sites qui est vraiment super pour vous montrer un paysage panoramique sur le site et surtout sur le tombeau royal. Et même d'ici, on peut voir le sommet du monastère après monter le 800 marches. D'accord. Donc on a compris, si on a peu de temps, il faut venir ici. Donc on est... Yazan, l'endroit C'est la place de sacrifice. Donc à la place de sacrifice. La haute place de sacrifice. Direction le Wadi Rum, désert le plus majestueux de Jordanie. Laissé quasiment intact par l'homme, la seule présence humaine est assurée par les Bédouins. Nous sommes partis à leur rencontre. Résultat de l'érosion et de tremblements de terre successifs, le Wadi Rum s'étend sur 720 km². Disséminés de manière sporadique, ces gigantesques blocs de grès atteignent parfois 1700 mètres de haut. On se croirait atterri sur la planète Mars. 36 camps de Bédouins y ont élu domicile. Laissez-vous tenter, passez la nuit dans l'un d'eux. Au fond, qui n'a jamais songé à un retour à la simplicité. Yeah, I live in the desert and I live in the village, but I prefer desert because my family live in the desert. My family have 45 camels and 60 sheep, but some Bedouin have more animals in my family. No food for sheep, camels, this is the difficult day. I will traveling, but I will come back to live in the desert. Because I like desert, it's a quiet area and nice life. Alors derrière
nous, vous pouvez admirer le palais Bint. Ce palais a su résister à tous les séismes qu'il y a eu dans la région. Et en fait, sa solidité vient d'une construction en pierre et en bois. Oui, c'est antisismique. Voilà. Et dans toute notre visite, on a pu voir des canaux, des systèmes d'irrigation. Alors racontez un peu, racontez-nous comment s'organisaient les Nabatéens pour avoir de l'eau. À l'époque, quand les Nabatéens habitaient sur la ville de Petra, il y avait 13 sources d'eau dans la ville, mais maintenant il y a seulement 3 sources qui fonctionnent jusqu'à maintenant. Et les Nabatéens ne perdent pas le temps, au lieu de transporter l'eau vers la ville, il fait des canaux d'eau de où se trouve la source d'eau jusqu'à l'intérieur de la ville, ici à Petra, et il utilise aussi les citernes d'eau pour l'utiliser pendant l'été. Et n'oublions pas que l'eau, c'était très important pour la religion, pour la purification, pour commencer les rituels religieux. Et les Nabatéens ont fait aussi, pour protéger le trésor, le monument principal qui se trouve sur le site, ils ont fait un canal pour protéger ce monument. Et ça, c'est récent, non? Non, c'était commencé. C'est quand déjà sous le. Ça se trouve déjà sur le site. Et même les Nabatéens ont fait des canalisations à Wadi Rum aussi, parce qu'ils ont utilisé Wadi Rum comme un refuge aussi pour eux. Et jusqu'à maintenant, on ne connaît pas où se trouvent ces citernes à Wadi Rum. Et ça veut dire que les Nabatéens, ils avaient de l'eau chez eux dans leur maison? Dans leur maison, oui, à la porte, il y a un citerne pour utiliser l'eau pendant l'été surtout. Et d'ailleurs, en Jordanie, c'est un problème quand même l'eau. Alors, est-ce qu'on a trouvé des solutions? Est-ce qu'on a trouvé des nappes phréatiques quelque part pour la ville d'Amman? Comment ça se passe? Pour nous, on dépend sur la pluie. Cette année, c'était bien. Et aussi, il y a des barrages d'eau qui se trouvent au nord de la Jordanie. Et pour l'alimentation de la ville d'Amman, il y a un oasis qui se trouve à l'est de la ville. Mais heureusement, finalement, on a trouvé un nappe d'eau qui se trouve à Wadi Rum, au sud de la Jordanie. Et il y a un projet maintenant pour tracer l'eau vers la ville d'Amman. Et d'ailleurs, ce projet sera fini en 2014. Et c'est à côté de l'autoroute en fait qui mène de l'aéroport d'Amman à la ville d'Amman, c'est oui, ça? Oui, ce qu'on a vu sur la route. On peut déjà voir un peu les... Oui. Et cet après-midi, on va voir où on a trouvé le nappe d'eau à Wadi Rum. Ok, bah, très bien. Merci pour tout, merci beaucoup. De rien. Et puis, nous, tout de suite, on va partir à Aqaba. Aqaba, donc, c'est une ville qui est située au carrefour de 4 pays, dont la Jordanie, donc Israël, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Mais on peut aussi y faire de très belles plongées. Alors, suivez-nous. Douceur de vivre semble être le maître mot d'Aqaba, ville maritime. Artisans et marchands vous feront découvrir toutes les richesses de leurs produits. Prenez une poignée de cacahuètes, même les Amanites se pressent devant cette échoppe. Si la fatigue vous prend, reposez-vous à l'ombre d'un arbre et pourquoi pas sur le site historique du fort Mamlouk, construit au XIVe siècle. Mais pour ceux que l'histoire rebute, affalez-vous dans un des nombreux cafés narguilés d'Aqaba. Et si vous aimez les Jordaniens, ils vous le rendront bien. Notre voyage se termine ici, devant les roches de Petra, et nous nous retrouvons bientôt pour une autre destination. Baby, don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. And by does she really wanna, but can't stand to see me walk out the door.